Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nelscrap. Peut-être que comme moi, vous êtes impatiente de découvrir le nouveau catalogue automne-hiver 2017-2018 et qui va nous présenter plein de modèles pour les fêtes et Stampin' Up, pour nous mettre l'eau à la bouche, sort en avant-première un des lots qui est plutôt très sympa et qui s'appelle Cantique de Noël. Ce lot, et vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui, comme ça vous pourrez commencer à préparer vos cartes pour les fêtes de fin d'année. Il se compose d'un set de tampons, que voici, et deux découpes. Alors vous savez, j'ai l'habitude moi de mettre les deux dans la même boîte, mais vous savez que c'est vendu séparément. Les poinçons s'appellent mon recto de cartes. Et avec ces poinçons, voyez, donc il y a des sapins. J'ai préparé quelques modèles que je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que je suis encore en vacances, mais que je vous montrerai dès que je serai rentrée pour faire la vidéo et vous les mettre en ligne. Voici donc les sapins. Voici ici le petit fan. On a le tampon, on a la découpe. Les sapins, on n'a que les découpes. Et vous avez deux magnifiques tampons. Mon beau sapin et Vive le vent. Et je trouve que la calligraphie de ces tampons est magnifique. Nous avons des petites feuilles d'août. Nous avons cette découpe-là qui est magnifique. Et vous voyez, j'ai fait comme un peu de la marqueterie. Nous avons également ces tampons de boules de Noël. Et vous remarquerez que j'ai certaines boules qui sont placées avec de la mousse 3D derrière. D'autres qui sont tamponnées directement sur la carte. Enfin, toutes de toute façon, elles ont été tamponnées, embossées à chaud avec du doré directement sur la carte. Et puis sur certaines, j'ai refait à chaud sur un papier à part, embossé en doré, à nouveau une série de boules. Et certaines, donc je les ai placées avec de la mousse 3D derrière et d'autres, je les ai collées par-dessus. Ce qui fait qu'on a trois niveaux, trois épaisseurs. On a ceci aussi, cette fleur qui est magnifique. Et d'ailleurs, on pourrait placer la fleur. Moi, je les ai laissées en rouge. Mais on peut placer la fleur, puisque la fleur, on a le tampon. La découpe, c'est cette découpe-là. J'aurais pu placer ici mes fleurs. Cette découpe ici aussi, qui est magnifique. Là, je voulais surtout vous faire passer le message que vous pouvez dès à présent acheter ce lot. Et on ne fait pas que des cartes de Noël avec ce lot, puisque vous voyez, j'ai utilisé cette magnifique découpe ici. C'est celle-ci. Cette découpe-là. Et je l'ai utilisée pour faire une carte de mariage. Je suis d'ailleurs en Italie en vacances pour le mariage du fils de ma belle-sœur, qui se marie avec une Italienne. Et voilà, je l'aurai préparé cette carte. Je vous montrerai également comment j'ai réalisé cette carte. Voilà, je vous expliquerai tout ça à mon retour de vacances. En attendant, portez-vous bien. Bon scrap et à bientôt. Au revoir.